Porte de Versailles, c'est le salon de l'habillement masculin. Ce monsieur s'appelle Jean-Marie. Il est mannequin et présente une tunique de soirée en tissu d'ameublement. Un petit tour, un battement de faucille et voilà. La mode unisexe est lancée. Regardez et écoutez. Est-ce que vous porteriez cette mode? Oh, bien sûr. Oui. Formidable, oui. Les tuniques aussi? Ah, les tuniques aussi. Vous ne trouvez pas qu'elle est un peu trop féminine, un peu trop asexuée? Ah non, non, pas du tout. Ce que j'aime surtout dans la nouvelle mode, c'est les couleurs. Parce qu'autrefois, les hommes étaient toujours habillés en marron, en gris, en bleu, et maintenant, depuis quelques années, on sort de ça et je trouve que c'est très bien. Oui, mais on met des robes maintenant aux hommes. Oui, mais ça, c'est pas encore descendu dans la rue, mais ce qui est descendu, déjà, c'est les couleurs et les matières. J'ai vu une grande tunique dorée avec des bottes. Mmh. C'était pratiquement une robe. Oui. Alors? C'est joli. C'est pour les deux, pour la fille et le garçon, c'est vraiment très joli. Vous mettriez cela à quelle occasion? Soirée, une soirée, quelque chose, un cocktail. Et les réactions des gens dans la rue? Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont lents à s'y mettre, trop lents à s'y mettre. Les réactions sont trop... Je sais pas comment dire, ils sont... Trouvez-vous logique que l'homme soit maintenant la copie conforme de la femme? Non, je crois pas qu'il soit la copie conforme de la femme, de toute façon. Je crois que un couple peut au maximum se ressembler, s'habiller de la même façon. Ça, je trouve ça très joli. Un homme est un homme, une femme est une femme. Quel que soit l'habit qu'il porte. Bien sûr, c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est pas moi qui l'ai trouvé.